Ouais, bah salut. Petite sortie en mer, au départ de La Rochelle. Et voilà, j'ai pensé à prendre la petite caméra GoPro. C'est un petit cadeau que l'on m'a fait pour mon anniversaire il y a 3 ans et que je vais essayer aujourd'hui. Hein. Désolé pour le délai. Voilà, j'espère que ça fait de belles images. Aujourd'hui, beau temps. On va sans doute aller au port du Douai, passer la nuit. Là-bas, il y a une superbe plage. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de me baigner en ce moment. Il faut dire que cet été, malgré les grosses chaleurs, j'ai plus navigué que profité de la plage. Donc j'ai essayé aujourd'hui de concilier les deux. Pour le port du Douai, Saint-Denis-d'Oléron, ça va être un peu juste là parce que j'arriverai juste à mi-marée. Et puis au niveau du tirant d'eau, le port du Douai, c'est 1,50 m. Donc je ne vais pas prendre le risque. Donc je vais en profiter pour aller mouiller autour de l'île d'Aix et sans doute débarquer avec l'annexe. Je vais la gonfler, mettre le petit moteur et en avant l'aventure. Voilà. En attendant. Très joli temps. En bonne santé, hein. C'est super beau. On s'approche doucement du Dex. On va aller mouiller ou jeter l'ancre. Enfin, jeter l'ancre ou prendre une bouée, je ne sais pas encore. Je vais sans doute passer la nuit là-bas. Peut-être qu'on fera l'annexe. Et puis, j'irai faire le tour de l'île Dex à pied. Et je rentrerai dormir à bord en passant la nuit autour de l'île. Voilà. Si vous entendez, ce qu'on entend, c'est des jet skis. C'est une vraie nuisance, ce truc. C'est comme des petits insectes là qui perturbent la quiétude du lieu. Et j'imagine que pour la faune marine, ça doit être une vraie calamité en période estivale d'avoir ces allées et venues en permanence entre le bruit, les vibrations. Les poissons, les dauphins et autres ne peuvent pas beaucoup apprécier. Enfin bon, il en faut pour tous les goûts, malheureusement. Mais on s'amuse beaucoup avec le réchauffement climatique aussi. Quoi. Enfin bref, on va pas faire les vieux grincheux, quoi. On est déjà. Mais c'est vrai que la voile, c'est quand même plus sympa. C'est silencieux. C'est respectueux de l'environnement. Et c'est bien plus intéressant d'avancer à la force du vent avec ce que ça implique. Mais bien sûr, la voile ne suffit pas. Il faut aussi de la bière. Sans quoi, il n'y a pas d'essence pour le moteur. Non, je déconne.
voilà, on est arrivé à l'île d'Aix. J'ai pris finalement un cormoran, une bouée quoi. Il y en avait disponible. Donc, je sais pas. Maintenant, je vais déjeuner. Peut-être que je resterai ici pour la nuit. Ça va dépendre un petit peu des conditions de vent ce soir. Sinon, je rentrerai sans doute à La Rochette. Voilà. Bon, bah maintenant, je vais vous présenter Chitchat, un Moody 29. De l'intérieur. Ici donc on aperçoit le carré. Avec deux banquettes. Cette table qui se déplie. Donc vers l'arrière, on a la table à cartes avec une couchette presque double. C'est vendu comme une couchette double, mais c'est plus une couchette de grand amoureux. Moi, je m'en sers un petit peu pour mettre le bordel parce que je n'utilise pas. Donc là, je mets le moteur, mon sac, etc. Mais on peut dormir à deux à la gîte, on est bien calé. Ici on a les instrumentations, la VHF, le tableau électrique. Ici on a un GPS. On a un traceur de cartes à l'extérieur. Le capot moteur. Ici on a le coin cuisine, donc avec l'évier, le réchaud. En dessous là vous avez le coin frigo. Avec des rangements qui sont assez bien faits pour bateau, bien que le coin de cuisine est un petit peu exigu. Voilà, donc des rangements un petit peu partout, c'est vrai. Petite desserte supplémentaire. Vers l'avant, on a la cabine principale, cabine double, donc en forme triangulaire. On va dire la cabine du capitaine. On y dort très très bien. C'est un peu le bordel pour pas trop regarder. En arrière, donc entre le carré et la cabine, on a le coin toilette. Donc ici un petit lavabo avec des rangements. De l'autre côté, on a les indispensables toilettes. C'est des WC marins. Donc on rince à l'eau de mer. Avec une penderie à l'arrière où on peut ranger son linge. C'est ciré. Voilà. On peut ouvrir, mais il y a assez de lumière comme ça. Donc on refait un petit tour des toilettes. On ferme la porte. Donc le carré vu de l'avant. Et par les hublots, donc on aperçoit l'île d'Aix. Voilà. Un petit peu plus loin là-bas, on peut aussi voir le Fort Boyard. Je sais pas si on l'aperçoit, enfin bon. Il y a des belles couleurs sur l'île d'Aix. Mais j'ai installé, on va les voir comme ça, tu vois, deux lignes de traîne pour essayer de ramener un peu de poisson.
Le matin et le soir, en général, c'est une bonne heure, mais bon. J'ai jamais été très chanceux avec le poisson, sauf parfois. J'ai eu quelques pêches miraculeuses. Le soleil est bas sur l'horizon. Finalement, on rentre tranquillement sur la Rochelle parce que là, bon, mouillage, ça se mettait à rouler un peu, c'était pas très confortable. Et puis, comme ça, je suis aussi prêt demain à rentrer pas trop tard. Et les conditions étaient tellement belles ce soir pour naviguer que je préfère naviguer que d'attendre d'aller me coucher au mouillage. Bon ben voilà, il fait nuit et on arrive bientôt à La Rochelle. J'ai préparé le bateau, j'ai affalé les voiles et j'ai mis le moteur. Voilà. Bon alors c'est la journée test GoPro. Là j'essaye avec très peu de lumière, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà. Bon en tout cas j'espère que bon, il y aura quelques images assez représentatives. Et puis voilà. Rien d'autre à faire si ce n'est arriver au port, s'amarrer et puis se préparer des bonnes pâtes. Salut!